Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien et toi? Je vais très bien, merci à Dieu. Ok, donc là, c'est une vidéo où en fait, je vais parler à Francis en créole. Je vais lui dire des proverbes créoles et il va devoir deviner ce que ça veut dire. Et après, je vous dirai un proverbe donc, de la Bible qui veut dire aussi la même chose. Pas de problème, frère. Pas de problème. Regarde pas le téléphone parce que les réponses sont dessus. Pas de problème. Ok, premier proverbe créole. Alors, si je te dis « Allez à cet arbre, virez à cet amour. » Hein? Répète. « Allez à cet arbre, virez à cet amour. » Ah bon, après, j'ai pas l'accent très bon. T'as vu Non, mais pour toi, c'est un bien que j'ai pas l'accent. Tu comprends plus. Non, c'est un faux. Moi, je suis avec l'accent. L'accent, tu comprends bien. Alors, « Allez à cet arbre. » C'est bon. Écoute, « Allez à cet arbre, virez à cet amour. » Genre, là, on est en train de discuter et genre, t'as réussi à faire quelque chose là. Je te dis, ok, je comprends, dis plus rien. Aujourd'hui, c'est à moi, demain, c'est à toi. Bien! Non, mais le problème, c'est Alia, c'est tao, Viria, c'est pas tao. Hein? Pourquoi tu changes? Non, c'est ce que, en fait, ce que je dis là, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Mais le proverbe tel qu'il est, c'est Alia, c'est tao, Viria, c'est pas tao. Ce que ça veut dire, c'est genre, tu sais pas ce que demain a en réserve pour toi. Ah. Tu vois? Dans Proverbe 27, donc là c'est la Bible, verset 1, il est écrit, ne te moque pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu connais? Je connais. Ne te moque pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ensuite, si je te dis, attention, pas capon. Pas capon. Alors je te dis, non, t'as raison, attention pas capon. Attention pas capon. C'est quoi, parler d'un pont, c'est ça? Non, attention pas capon. C'est un pont, c'est pas moi, c'est un pont qui fait attention, c'est pas moi. Attention au capapon. Attention pas capon. Attention au pont. C'est ça? Puis je te dis, être prudent pas capon. Sois prudent. Attention, ça veut dire quoi? Attention, fais attention, ouais. Si je dis pas capon, ça veut dire quoi? C'est deux mots, pas capon. Moi, c'est le cas là qui me dérange. Frère, non, mais capon, c'est un seul mot. Capon? Alors, capon, c'est genre, t'es là, il y a un chien qui te bouge. Je dis, ah, au capon! Tu es en train de courir, tu cours. Je dis, au capon! Tu cours parce qu'il y a un chien qui est derrière toi, dis tout capon. Attention à toi. Mais frère, si tu cours qu'un chien est derrière toi, c'est que t'as peur. Non, j'ai pas peur. Le chien court derrière moi, je m'arrête, je lui pose la question. Bah justement, si tu cours, je te dis, hé frère, où capon? Ça veut dire quoi? C'est chaud. Ça veut dire que t'es peureux. Attention, pas capon, ça veut dire faire attention, ce n'est pas être peureux. Ah, de toute façon, je suis pas peureux quand je trouve ça, moi. Normal. Être prudent, c'est pas être peureux, quoi. Attention, pas capon. Et dans la Bible, il y a un proverbe, donc Proverbe 14, verset 15, qui dit « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » C'est la même chose. Ouais, c'est très bien dit, ça. Eh oui. Le troisième proverbe, il n'y a que quatre. Si je te dis « J'en citais là avant-dent. » Ça fait mal à la bouche, ça, quand tu prononces... J'ai accepté la vendre. Hein? C'était la vendre. Alors. C'était la vendre. J'ai pas l'accent, mais bon. Tu peux répéter, s'il te plaît? Lui dis, j'ai accepté la vendre. Non, attends. J'ai accepté la vendre. J'étais là avant toi. Ah, dent pour dent, œil pour œil. Dent. Ok. J'en suis peut-être là avant dent. La vengeance n'est pas... T'arrives pas de vengeance. C'est pas moi. J'en suis peut-être là avant dent. C'est quoi? T'as bien déterminé dent. Oui, il y a dent. Le premier mot, c'est ça même en français. J'en suis peut-être là avant dent. Ah! Mais... Ma soeur, prononcez bien. Prononcez bien. Alors... La gencive était là avant la dent. Voilà. D'après toi, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire
comment dire, c'est quoi déjà? Qu'il faut respecter les aînés. Ça veut dire respecter des aînés. Et dans la Bible, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Le dernier, c'est Mania ou Fakabanou, c'est Mania qui dormit. Mais je t'ai déjà dit ça. Mania quoi? Mania quoi? Tu dois savoir. Mania ou Fakabanou, c'est Mania qui dormit. C'est fait mal, hein? C'est mal ça. J'arrive même pas à commencer à prononcer. Tellement ça me fait peur. Mania ou Fakabanou, c'est Mania qui dormit. Manière, il y a manière dedans. Mania ou Fakabanou, c'est Mania qui dormit. Il y a dormir. Mania ou Fakabanou, c'est Mania qui dormit. Tu me dis si c'est bon. Non, je dis pas c'est bon, je t'ai déjà dit plusieurs fois cette phrase, donc tu dois le savoir. Ah. C'est à toi, tu réussis pas, tu dois chanter une chanson. Non, 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 surtout pas. Ok. Si à 3, tu réussis pas, tu dois dire l'alphabet à l'envers. Ah non, 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 c'est bon. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu trouves... C'est une torture, ça. Hein? Ok, si à 3, tu trouves pas, tu dois dire en créole une phrase que je te dirai. Ouais. Oh, c'est facile. C'est quoi déjà, Mania? Mania ou Fakabanou, c'est Mania qui est dormi. Les manières que tu as fait avant nous. Manière ou fait cabanou, c'est manière ou qui est dormi. Je te dis, manière ou fait cabanou, c'est manière ou qui est dormi, papa. Essaye de traduire mot pour mot. Ouais. Manière. C'est, bon, c'est, en fait, moi, c'est le manière qui me fonctue. Alors, manière. Manière. Mais tu avais dit tout à l'heure manière. Manière. On va dire la manière. La manière. Alors, manière ou fait cabanou, c'est manière ou qui est dormi. Cabanou, tu connais, je t'avais déjà dit. Attends. Les manières que tu fais avant nous. Alors, je fais le décompte et devras chanter une chanson. Non, je ne vais pas chanter. Ben quoi ben, donc, mais c'est pas mais, attends, une chanson, ça. Manière. 5. Manière. 4. Avant nous. Manière ou fait qu'avant nous. C'est manière ou qui est dormi. Les manières que tu fais, que tu as fait avant nous. A few moments later. Ah, sache que ce que tu me fais, demain, ça peut t'arriver. Mais c'est ce que je t'ai dit. Normalement, tu devrais chanter. Donc, en fait, mot pour mot, ça veut dire la manière dont tu as fait ton lit, c'est la manière dont tu vas dormir. Mais en gros, ça veut dire on récolte ce qu'on sème. On récolte ce que l'on sème. Et dans Proverbe 1, verset 31, il y a un proverbe qui dit « Ils se nourriront du fruit de leur conduite. » Amen. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous a plu, à le mettre en commentaire et à m'écrire des proverbes que vous connaissez aussi en créole ou dans une autre langue. En lingala. En tout cas, on fait plein de bisous. Bye you. Bye you.